J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être le tuto numéro 2 pour Halloween. Donc aujourd'hui on va faire une shaker card. Voilà, alors on va utiliser un bocal. Alors si j'arrive à retrouver le dice, voilà, il est ici. Ça fait très longtemps que je l'ai ce truc et je l'avais acheté sur AliExpress, hein, bien sûr. Donc j'utilise ce dice là et en complément j'utilise un petit dice comme ça, rectangulaire avec les coins arrondis. En fait je le place à l'intérieur, voilà, comme ceci. Et ensuite quand je découpe, donc j'ai déjà fait en amont hein, parce que sinon ça allait être trop long, on a un trou dans le bocal, comme ceci, voilà. Et ce qui va nous permettre de nous faire une shaker. Donc j'ai découpé un... comme ceci dans du papier noir. J'ai découpé deux dans de la mousse un petit peu épaisse. Donc j'ai découpé deux pour qu'il y ait quand même un peu d'épaisseur, vous voyez. Voilà. J'ai découpé ensuite sans le rectangle, juste le bocal dans de l'acétate. Donc bien sûr on ne voit absolument rien, mais il y a bien un morceau d'acétate. Voilà. C'est pour fermer notre shaker. Donc on va superposer les deux mousses, l'acétate et le dernier ça sera le papier pour couvrir le tout. Voilà. Ensuite au début j'avais fait dans du papier blanc, vous voyez, j'avais découpé pas mal de trucs. Donc je pense que je vais récupérer un couvercle. J'ai pas préparé cette vidéo hein, donc ça risque d'être un petit peu brouillon. Je pense que je vais découper au moins le couvercle en blanc, voilà, et je vais le coloriser à la Distress dans une teinte un petit peu orangée, voilà. Ensuite, j'ai utilisé, parce que j'ai commencé quand même un petit peu avant, alors j'ai pris la planche Candy Corn Add-On, donc c'est celle-ci. Vous avez les petits Candy Corn, donc ce sont les bonbons... aux États-Unis typiques de la période d'Halloween. C'est des bonbons qui sont blancs, orange et rouge. Et donc j'en ai tamponné je ne sais pas, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46, voilà. J'en ai tamponné 46, je vais les coloriser et ensuite je vais les découper un à un. Donc en fait je vais les coloriser sur le recto et quand je les aurai découpés, je les coloriserai sur le verso. Parce que sinon ça va faire bizarre, je pense. Vu que après je vais les découper et je vais les mettre dans le bocal. Voilà. Ça va être un bocal de bonbons. Et je pense qu'on va se faire une petite légende avec un bonbon ou un sort. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. En français, ça nous changera un petit peu. Et pour écrire ça, on prendra sûrement les dernières planches de tampons de Miaoups Création. Donc celle qui est les alphabets comme ça là en majuscule et c'est la lettering. Voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais vous mettre un petit peu en musique. Quand je parlerai, j'arrêterai la musique. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout ça et je vais bien attendre que ça sèche surtout. Donc je vais faire ça en musique. Coller la structure du bocal quoi. Et puis commencer à coloriser ceci et découper ça. Je pense que ça va mettre un petit temps, donc ça je vais le faire en musique. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Thank you.
couper pas tout, vous voyez, j'en ai laissé une dizaine là. Par contre, j'ai pas colorisé de l'autre côté, mais j'ai collé un deuxième candicorne. Du coup, ça rend bien. Voilà, j'ai tout collé, j'ai rajouté le capuchon en orange, comme je vous avais dit. Donc là, on va prendre une base de cartes. Donc vous savez, c'est moi qui fais mes bases de cartes, hein. Elle fait 21,5 sur 15, voilà. Je viens d'attraper mon petit bloc Spooky Boo que j'ai acheté chez Blitzy. Lol, il sera dans le i. Pour prendre un papier de fond, ouais, je vais prendre celui-là, à pois orange, alors là, tac, ah ça fait peut-être trop orange ça, attendez, un fond noir avec des chauves-souris, ça peut être pas mal ça, non? C'est quoi? Ouais, il y a des petites chauves-souris. Alors on va prendre ça, ça va ressortir, je pense. Ça va mieux ressortir. Donc je vais le découper à la taille qu'il me faut, c'est-à-dire qu'il me faut 10 par 14,2. Donc 14,2. Voilà, sur 10. Ah non, c'était des 14,6, je crois. Attendez, faites voir. Ah non, c'est bon. Ouf. Donc, attendez, on va se caler comme ça. One again beast to fly, comme j'ai l'habitude de le dire. Bon, je vais prendre 14,5 en fait. Et puis, donc là c'est bon. Et puis ensuite, je sais pas combien. Là, 10,5. Est-ce que c'est bon? Même encore en enlever un tout petit peu. Tac. Voilà. Donc, on a ceci. On va se coller le fond. Hop. Donc, je vais prendre de la colle en souris. Ensuite, on aura notre bocal comme ceci, voilà, avec les bonbons à l'intérieur. Donc, on va disposer les bonbons comme ça. Hop. Hop. Comme ça plutôt, si je me trompe de côté, vous auriez pu me le dire quand même. On va y mettre des paillettes dedans, donc j'attrape les paillettes. Oh oui. Donc j'attrape ma réserve de sequins. En fait, dans ma réserve de sequins, il y a cette petite boîte là, ma boîte à merveilles, et ici on a des paillettes. Vraiment c'est les paillettes ici, le reste c'est les sequins, mais là c'est les paillettes. On va prendre des paillettes un petit peu dans les tons dans les tons jaune orangé, j'aurais bien voulu pour que ça reste dans le thème. Donc il y a celle-ci jaune et noire, ça peut le faire. Sinon là
Bon, ça c'est des petits cœurs. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les paillettes orange. On va pouvoir rajouter ça, je pense. Sinon, là, j'ai... c'est du vert. Oui, ben on va faire ça. Hop, on va se mettre comme ceci. On va prendre des petites paillettes, hop, dans les tons jaune et blanche. Très volatile, hein, donc je vais rajouter des paillettes orange. Voilà. Et alors, on essaye de bien tout rassembler là où ça va être collé. Et on va mettre de la colle tout derrière. Donc je vais utiliser la même colle que j'ai utilisée tout à l'heure. C'est la colle rayeur, comme ça, toute fine. J'aime beaucoup cette colle, j'en ai plus du tout. C'est la fin du tube. Mais je pense qu'il y en aura largement assez pour coller le shaker, le bocal. Je crois que c'est la fin là. J'en aurais pas assez. Hop. Oui. Alléluia. Donc j'avais acheté ça chez Cultura. Ça coûte cher quand même les 30 grammes, mais c'est une colle qui est super efficace. Donc après, on essaye de se caler droit. Voilà. Et je vais poser mon portable dessus pour faire du poids et laisser sécher. Et on se retrouve quand ça sera bien sec. Donc ça y est, c'est sec. Donc tac, ça fait ceci. Alors il me reste quelques bonbons. Je sais pas, j'ai envie d'en mettre un ou deux là. Je sais pas si ça va faire. J'en sais rien, ça me plaît pas. Alors on va qu'est-ce que je fais? Je vais tamponner. Est-ce que je vais tamponner comme ça? Je sais pas non plus si je tamponne en version lettering ou si je tamponne en version alphabet majuscule. Bon, on va tester là-dessus. Je vais prendre une chute de papier. Alors comme vous voyez, ça c'est pas droit. Alors un sort, oui c'est droit, mais un bonbon ou c'est pas droit. Donc je vais la refaire en musique. Thank you.
Shaker Card est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Donc j'aime bien et j'ai envie de mettre un petit candy corn là, mais je vais le mettre hop en 3D avec un petit carré de mousse. Deux petits carrés. Hop, voilà. Mon pic, parce que bien sûr je me suis coupé les ongles à ras, donc je peux plus attraper la pellicule collante là. Et voilà. Et donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.